Aujourd'hui, on ramasse 5000 bottes de paille le plus rapidement possible. Et si on y arrive, on gagne une méga ferme sur Farming Simulator 22. Les amis, avec Patrick, on a l'occasion de devenir millionnaire. On a un challenge de 2000, voire 3000, voire plus de 1000 bottes à ramasser, Patrick. Par contre, c'est pas millionnaire, c'est milliardaire l'objectif. Oui, milliardaire, puisque si on réussit ce challenge, on gagne une méga ferme avec plein de tracteurs, plein de voitures de luxe, plein de trucs dedans. Et notre but, c'est de ramasser les bottes plus vite que les autres. Alors pour ça, Patrick, qui est ingénieur, je tiens à le préciser, nous a inventé une option que les autres agriculteurs ne n'ont pas. C'est l'option la botte se ramasse toute seule. Donc aujourd'hui, les amis, on doit ramasser plus de 2000 bottes, ça c'est sûr, peut-être même 5000 bottes. En tout cas, on doit ramasser deux champs qui sont full en bottes. Et on va essayer de les ramasser le plus rapidement possible. Et normalement, avec la technologie que tu nous as inventée, on devrait y arriver assez facilement. Par contre, il n'y a pas 5000 bottes ici. Non, non, c'est pas là, Patrick. T'inquiète, le champ du challenge est plus loin, évidemment. Je te rassure. Ah, il est où? Tu vas voir. Et d'ailleurs, c'est des mini-bottes. Mais vous allez voir, les gars, si on réussit, on gagne en fait une méga ferme qui se trouve normalement plus loin en face. Et on aura l'occasion de devenir riche, puisqu'on aura l'occasion de revendre les véhicules et peut-être même de les garder et d'entretenir cette ferme avec plein de gros matériel dedans. Si vous kiffez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Peut-être qu'on en fera d'autres de ce genre avec mon ami Patrick. Je me suis pris un arbre. T'habitais Giro, moi? Non, je me suis pris un arbre. Oh, tu rigoles. Mais traîne pas parce qu'on n'a pas trop le temps, je t'avoue. T'inquiète pas, je suis derrière. Attends, ils sont où les Giro? Alors, pour le moment, on a que ces deux camions-là. Vous avez vu tous les autres camions qu'on avait là où on habitait. Il y a des autoloads, enfin pas des autoloads, mais des arcussins. Il y a également un autre camion. Voici tout ce qu'on doit ramasser, Patrick. On a ce terrain-là et le terrain là-bas. Ah ouais. C'est inondé de mini-bots. Il y en a beaucoup là. Oui, heureusement. Non, c'est de place. Je vais te dire un truc, Patrick. Heureusement qu'on le fait pas à la main. Que là, on en a pour 3 jours, voire plus. Ah bah oui, c'est vrai qu'on peut les charger plus rapidement maintenant. Ah bah oui, avec ta technologie que t'as inventée. Bon, les amis, vous êtes prêts? C'est parti! Alors, tu prends la rangée à gauche, on fait une rangée sur deux, Patrick. Ok. Attends, parce que là, moi, j'en laisse, donc essaye de toutes les ramasser. Et vraiment, essaye de toutes les ramasser. Dans cette remorque, les amis, on peut en mettre plus de 800, ou quasiment 800. Ça veut dire qu'on pourra en mettre 1600. Et si nos remorques sont pleines et qu'on a encore besoin des remorques, on pourra les vider chez nous. Ça fonctionne pas par remorque. Mais si, elle fonctionne, Patrick. Alors, il faut qu'on trouve une sacrée technique. Parce que, tu vois, moi j'en avais laissé sur le bord. Attends, c'est parce que... C'est quoi en fait? Je vais faire un passage pour passer à gauche et un passage pour passer à droite. Donc vous avez vu les amis, c'est super satisfaisant à se voir remplir comme ça. T'es à quoi? Eh, je suis en train de me demander, t'es déjà à combien de pourcents, Patrick? Déjà à 20%. Non. Ah bah, on va peut-être avoir besoin de tous les camions en fait. Alors, ça va plus que ça, hein. T'imagines que ceux qui n'ont pas la technologie, je m'en ramasse tout seul, ils sont obligés de le faire à la main. Mais heureusement qu'on a mis du budget pour l'avoir. Ouais, bah ça c'est grâce à toi, c'est parce que t'es ingénieur. On n'a pas mis de budget, c'est toi qui l'as inventé. Tu es là, Patrick? Attention. Non, mais je repasse là. Par contre, plus je ramasse, plus je sais pas si on va hériter de la méga ferme parce que plus j'ai plus d'FPS. T'inquiète pas, ça va arriver. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ah, le but c'est de pas en laisser, hein. Voilà. Donc vous inquiétez pas les gars, on ira faire un tour si on gagne, évidemment. Bon, je pense qu'on est bien parti pour gagner. Mais si on gagne, on ira faire un tour dans la méga ferme tous ensemble. Même si on perd, on irait quand même faire un tour. Ouais, même si on perd, on ira faire un tour pour la visiter. Juste, elle sera pas à nous. Mais j'espère la gagner pour qu'elle soit à nous. Comme ça, je vais vous montrer un peu tous les véhicules qu'il y a dans cette méga ferme. Donc là, regardez, notre remorque elle se remplit. Et on peut encore en mettre, hein. On peut encore en mettre. Oh, mais regarde ça. Eh, mais je crois que c'est notre plus grosse remorque, hein, Patrick. Je sais pas comment on va faire ça, mais. Oh là 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 là. T'es toujours pas plein. Et moi je suis à 70. C'est la première fois que je suis à 57. Oh là 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 là. Bah ça va, en vrai ça va vite, hein, quand même. Le truc c'est qu'il y a le champ en face. Bah d'ailleurs, le problème c'est que Patrick a pas implanté la technologie des bots partout. Ce qui veut dire qu'on a quand même deux véhicules qui ne l'ont pas. Bah ils ont la fonction qui rentre dans la machine, quoi. Mais ça prendra un petit peu plus de temps, quoi. Bah. On va faire ce qu'on peut, hein. On va faire ce qu'on peut. Mais après, déjà, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent faire plus qu'une seule remorque? Bah, je suis pas sûr. À la main, ça leur prendrait 10 jours, je pense. Non, mais en vrai, regarde ça. Ouais, c'est possible. Bon, là, je pense que moi, par contre, c'est ma dernière rangée là. J'évacue un petit peu les grosses rangées parce que. Regardez. Ah, oui, non, mais d'accord, le champ il continue. C'est ma. Ouais, bah oui. Ah, bah oui. Patrick, je suis à 100. On peut mettre exactement 700. Oh là 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 là, regardez-moi cette remorque. On peut mettre 770 bottes dessus, les gars. 700. Bah, une fois que tu l'as rempli, Patrick, je t'invite à la mettre derrière mon camion. On ira à la vider après. Moi, je vais directement chercher un autre camion pour pouvoir mettre full bottes dedans. Cette fois-ci, on est parti avec un tracteur qui fait beaucoup de bruit. Le Action 850 et une charrée de 4 remorques derrière, Patrick. 4 remorques. Bon, là, on devrait quand même en ramasser pas mal. Ouais, mais est-ce qu'on va en avoir assez? Ça, c'est pas sûr. Peut-être pour faire le champ, mais après, pas sûr non plus. Alors, il faut pas que je tourne trop rapidement avec, parce que sinon les bots vont se rentrer en conflit. On va faire attention. Mais en tout cas, les gars, je suis en train de vous faire des convois de bots. Vous avez jamais vu ça sur Farming Simulator en 10 ans de jeu. Là, je vous le dis. Ça va permettre beaucoup plus, hein. On met une quarantaine derrière.
Ouais, si tu veux, on peut toujours, hein. J'en ai encore en stock. Ah, bah pas. Tant que le tracteur il tire. Hein. Ah, en fait, par contre, sur les petits plateaux, t'as installé mieux la technologie parce qu'il se ramasse beaucoup plus rapidement. Ouais, mais c'était ma V2. Non, mais vu qu'ils sont plus petits, c'est plus facile. Regardez à quel point, les gars, je dois dézoomer. Et en fait, j'ai dit qu'on pouvait en prendre, mais c'est pas vrai. Eh, hey Patrick, j'ai déjà tout rempli. J'ai déjà tout rempli. Alors, les amis, pour le deuxième trajet, je rajouterai des plateaux derrière mon classe. Donc là, on va remplir l'arcus. Hein. Moi, j'appelle ça l'arcus. En fait, c'est un auto-stack de bots. Voilà. En fait, vous la prenez. Et ça existe vraiment sur farming pour les mini-bots. Tous les mods que je vous montre là sont en public. Hein. Ils sont disponibles au téléchargement. Et donc, c'est stylé de faire vraiment une grosse pile de bots. Donc, l'objectif, c'est de tout stocker chez nous. Bah, écoutez, on va essayer. Je dis bien, on va essayer. Bah, ça va pas être évident, mais là je pense que en vrai, je pense que je vais mettre 10 plateaux derrière Patrick. Ouais, mais en autant que tu peux, hein. Ouais, 10 ou 15, je vais mettre. Je pense que, bah, en tout cas, si je vois le temps qu'ils ont fait, les autres à la main, ils ont fait plus de 10 jours pour les deux champs. Hein. Donc, je pense qu'on est pas mal. En 10 minutes, on a déjà fait quasiment un tiers, quoi. Enfin, un bon tiers. Ouais, bah, après, on fera une pause au pire. Une pause? Ah ouais? Comment ça, une pause? Bah, non, moi je vais finir premier haut la main. Tu comprends? Ouais, mais on va les stocker où après? Chez nous! On aura de la paille au moins pour cet hiver! Ah bah oui, bah là au moins on en aura assez, oui. Oui, c'est sûr. Regardez-moi ce stock. Et pour le moment, on a fait que la moitié du champ, hein. Voilà, quasiment les trois quarts. Donc, on va essayer de rajouter des plateaux derrière le classe. Et on va, par contre, se faciliter la tâche avec les camions. Parce que, alors, les arcusins, là, les deux autostacks derrière, c'est un mine-plombe, quoi. Bon, Patrick, premier déchargement de balles avec ta nouvelle technologie. Parce que, oui, ça a une fonction de déchargement, les gars. Vous n'imaginez même pas. Regardez-moi ça. Eh ouais, Patrick, il a tout inventé. Bon, écoute, le terrain a pas l'air trop droit, mais j'espère que ça va le faire. Ah. Écoute, je ne bouge plus, comme ça c'est fait. Moi non plus, du coup. Ça, c'est aussi une nouvelle fonctionnalité. Six months later. Bon, ne faites pas ça de votre côté, les gars. Ne le faites pas parce que ça passe pas très bien, quoi. Bon, alors, les amis, on a réussi à faire crasher le jeu. Là, on va voir si ça va le refaire. Ne faites pas de mini-bot, les gars. C'est bizarre quand même que mon jeu ne bouge plus. Non, je crois que j'ai un problème de moteur. De toute tracteur. Façon, je vais vous dire un truc, les amis. On a gagné avec Patrick, donc voici la ferme. Alors, avec Patrick, on a un petit peu compté. Ne faites pas ça sur votre jeu. On a dû ramasser à peu près 3000 bots. Enfin, pas loin de 3000 bots. Donc, on a gagné au la main. Puisque. On a gagné la ferme entière avec tous les véhicules. Ouais, on a gagné la ferme entière avec tous les véhicules, Patrick. Alors, parce que je préviens, ma voiture est à gauche. Oh, tu peux parce qu'il y en a des autres. T'inquiète, ma voiture est en face si tu veux, Patrick. Bon, ça va, en face. Non, c'est la mienne. Et voilà. Merci, Patrick. Bon, du coup, on a compté, on a fait à peu près 3000 bots. On les a ramassés, enfin, on a fait plus de 3000 bots. Je crois qu'on a fait avec les deux champs, on a dû aux alentours de 7-8 000 bots. On en a ramassé 3000 et le jeu crache. Donc, ne faites pas ça sur votre jeu. Et donc, je vais vous montrer un petit peu la fin qu'on a gagnée. D'ailleurs, tous les autres qui ont participé à ce challenge n'ont pas réussi à faire crasher le jeu. Donc, pour te dire qu'on a gagné au la main, Patrick, t'en penses quoi? Bah, largement. Là, déjà, il a juste fallu qu'on dise combien on en a fait et tout le monde a abandonné. Donc, voilà, tout le monde a abandonné. Mais si vous voulez le faire sur vos parties, n'hésitez pas, vous verrez ce que ça donne. Bon, notre méga ferme, voici à quoi elle ressemble. Merci Patrick. Non, me parle plus de bot, j'en ai eu assez. C'est pour ça que je te la donne. On a un hangar à droite, un hangar à gauche, notre maison derrière, un hangar en face. Parfait, tiens. Alors là, en silos, camion tonalisé, 4 bennes, une autre cuvalisier, un autre camion, une autre moissonneuse, un pulvérisateur automoteur, un panier, donc épandeur à chaud, épandeur à lisier qui se trouve juste là, et tout ce qui est tracteur se trouve en face. Et là, vous pouvez voir, on a du très beau matériel. Franchement, on a du très beau matériel. D'ailleurs, si vous mettez un petit like sur cette vidéo, on fera peut-être une course de tracteur. Ça, c'est un convoyeur, Patrick. Là, on met quelque chose ici et on peut le recharger là-bas. Donc, tu vois qu'en plus, elle est bien agencée, elle est bien inventée. Donc là, c'est quoi ce truc énorme à côté? Alors, ça, c'est un nouveau tracteur que je vais montrer après. Donc là, on a un Fendt 724, on a un CAS 270 CVX de chez Optum. Oui, c'est un Optum. Les faucheuses Crone, là, on a encore du tracteur. On a deux Endeleurs parce qu'on s'est dit 15, c'était pas assez. Donc voilà, cette ferme vaut au moins 15-20 millions d'euros. Même plus, en fait, 100 millions
millions d'euros en vrai quand tu vois tous les agencements, tous les bâtiments qu'il y a. Là on a encore d'autres tracteurs, des chargeurs, on a encore notre chargeur et le fameux tracteur qu'on a besoin pour tirer ce smart. Alors on a un smart qui fait 60 mètres de large. Donc pour te dire que... Ouais, c'est très grand. Là, tu peux en semer des trucs. Ouais, d'ailleurs, on va aller le tester tout de suite. Tiens. Et ici, on a encore tout ce qui est travail de sol ici. Donc là, on hérite vraiment d'une méga ferme. D'ailleurs, je vais vous montrer. On a un John Deere 9RX, évidemment, pour tirer ça. Et d'ailleurs. Par contre, attends, débarre pas. Moi, je pars. Hein. Tu vas m'écraser. Bah, d'ailleurs, pour sortir de la ferme, je me demande si je vais sortir à gauche ou pas. Alors, c'est un soir à speed direct. Et vous allez. Tu penses que je passe là, Patrick, ou pas? Ça risque d'être un petit peu juste. Oh, regarde ça. Voilà, Patrick, ça passe! C'est prévu pour. Alors pour vous montrer un petit peu une démonstration de ce soir, vous allez voir que le champ à droite, on va faire un passage et pouf, il va être semé. Là vous êtes vraiment pas prêt. Là vous êtes vraiment pas prêt. Peut-être si tu mets la. Attends, peut-être si tu mets la lambeau sur le semoir, elle tire. Non, possible. En vrai, on peut essayer, attends. Je déplie juste, j'avance juste. Ah on va peut-être faire. Ah je pense que je prends pas tout. Ah non. Ouais là t'en fais au moins les trois quarts, hein. Facile. Et c'est parti. Attention à ta voiture, Patrick. Voilà. Donc, ouais, déjà de. Tu vas pas semer ma voiture. Déjà de 1, ça écrase toutes les cultures qu'il y avait avant sur votre champ. De 2, ça resème par-dessus. De 3, vous mettez de l'engrais. Tu sais, ça fait un oubli. Ouais, pardon, mais tu sais que c'est pas évident en piloter. Hein. Déjà en tracteur, c'est pas évident. Alors, je vais pas y mettre. 800 mètres de large, et non, tu réussis à faire des oublis. Hein. Non, mais. 60, pas 800. Oh là là, le... hey, regardez-moi ça, le ça monstre. Va, c'est la même chose. Regarde-moi ça, le monstre de smart que j'ai. Ah, vas-y, Patrick, tiens. Essaye-toi. Ah, franchement, si la lambeau, elle tient, je te donne la moitié de la ferme. Mais j'ai déjà la moitié. Ah merde. Bah, voilà. Bah, l'autre moitié de la ferme. Parfait. Non, ça marche pas comme ça. Allez, je suis au bon endroit. Je te vois même plus. Hop là. Vas-y. Mais non. Il faut que tu le. Mais Patrick, ah, mais l'activer. Il faut que tu mettes la prise de force sur la lambeau. Vas-y, ah. Vas-y. Vas-y! Non! Mais tu peux se mettre à combien, frère? Attends, 32. fais le tour! Le tour? Ok, je recule. Mais non! Un soir sur une lambeau. Donc, quand je vous dis que c'est une méga ferme, les gars, c'est que c'est vraiment une giga terra ferme, quoi. Allez, cours à côté de moi. Bon, si vous jamais vous voulez Patrick, il peut travailler pour votre ferme, les gars, à partir de 100 000 euros par mois et il vous sème tous vos champs en 10 minutes. C'est ouais. Pas par mois, c'est par jour. Ah, d'accord, pour ça, tu prends cher, Patrick. Franchement, tu prends cher. Eh oui. Ouais. Mais c'est la qualité. Ouais, c'est vrai. Bon, Patrick, pour terminer, on va faire une petite course de tracteur pour voir qui est le premier agriculteur de la région, évidemment. Pend 724 contre Kaz Optum 270. Les deux vont à 53 km/h. Maintenant, qui est le meilleur pilote? Vous savez toujours que quand on fait une course avec Patrick, l'un joue légalement, l'autre triche. Oui, on va pas dire qui triche. Parce voilà, que on va pas dire qui triche parce que c'est toujours les mains. Par contre, attends, t'as Smart. Oh merde. Mais dis, t'as Smart. Mais. Non. Attends, je te retourne. Mais frère! Ta Smart, elle m'a mis sur deux roues. J'ai un tracteur de 200 chevaux. Non, c'est trop. Et là. Merci, Patrick. Hop. Non, mais ta Smart, elle fait combien de tonnes? Bah, elle fait jusqu'à 25 tonnes. Non, c'est trop. Vas-y, on se met là, au panneau. C'est du solide, hein. Au panneau là-bas, viens. Vas-y, viens. Voilà, bouge plus. Bon, avec Patrick, on sait jusqu'où on doit aller. Vous allez voir s'il va tricher. N'hésitez pas à dire d'ailleurs dans les commentaires s'il a triché. Non, si il triche plutôt. Ah, ben regarde, là, on est bien aligné. Bon, Patrick, vas-y, fais le décompte, toi, un peu. 3, 2, 1. Go. T'as démarré avant. Mais t'es vraiment un enfoiré. J'ai dit au go. T'es vraiment un enfoiré. Allez. Et en plus on non, non, tu te prends pas les petits poteaux. Oui. Non. Oui. Oh oui. Non. Allez. Salut mon Patrick hein. Oh non, oui. Mais oh oui. Oh oui. Mais ça c'est génial. Eh. Franchement c'est le non, karma. Non, y a rien de c'est génial. Le karma mon petit Patrick. Hop. D'ailleurs je t'attends là. Je sais pas où t'es. J'arrive. T'inquiète. Tu viens à pied. Ouais. Bon, vidéo un peu fun sur famille. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et n'hésitez pas à noter combien sur combien est notre méga ferme et combien elle vaut pour vous. Voilà et les potes. N'hésitez pas à dire que William a triché. Non, évidemment, je n'ai pas triché. C'est le karma qui t'a rattrapé, mon petit Patrick. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne après-midi, très bonne soirée. Bisous à tous. Ciao. Et bon repas. Bon repas. Allez, bisous.